Il y a tout juste un an, nous rencontrions ici sur le salon Rétromobile Xavier Daucher de l'atelier 540 et il nous parlait de cette fameuse course à laquelle il allait participer, la Panamericana. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus aujourd'hui. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ben, impeccable. Avant de nous parler de cette fameuse course, la Panamericana, à laquelle vous avez participé, rappelez-nous ce qu'est l'atelier 540. L'atelier 540, en fait, on est spécialisé dans la restauration, l'achat et la revente de Porsche 356, donc de la période des Préa jusqu'aux périodes des années 60. Et donc là, c'est la troisième édition à Rétromobile. Donc c'est une édition importante cette année parce qu'on présente à la fois des modèles que vous verrez, mais surtout, on a concrétisé en fait un partenariat avec un atelier sur Paris qui permet donc d'avoir à la fois un atelier de restauration dans le sud de la France et un dans le 77. Alors comme je le disais, on s'est vu il y a un an, vous nous avez présenté le modèle Eva Perón avec laquelle vous avez participé à cette fameuse course, la Panamericana au Mexique. Comment ça s'est passé ? Ça a été une expérience assez hallucinante parce que en tant que débutant de ce genre de situation où on part très loin, on connaît absolument rien, on a eu vraiment beaucoup de préparation à faire. Donc la course s'est vraiment superbement bien déroulée. On n'a eu aucun problème technique ou une petite bricole, mais de rien du tout. Et on a vécu un mois absolument fantastique. Hein. Franchement, c'est quelque chose à faire absolument avant de quitter ce monde. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? C'est sûrement la population qui est très enthousiaste, très chaleureuse. Tous les jours, enfin même pendant qu'on roule dans les villages, tout le monde est là. Enfin, c'est véritablement incroyable. Et après, c'est les paysages. Hein. On roule en montagne. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc, c'est vrai que tout ça, mais ça va très, très vite. Donc, il faut vraiment profiter constamment de la situation. Hein. Cette année, vous êtes venu avec plusieurs modèles que vous mettez en vente. Est-ce que vous pourriez nous les présenter ? On a trois 356, évidemment. Alors là, on a joué un petit peu sur les périodes de la 356. C'est-à-dire qu'on a un modèle de 1954, donc une Préa, qui est à restaurer. On a un modèle de 1956 que l'on appelle le T1, qui, elle, est entièrement restaurée. Et on a la petite dernière, qui est un modèle T2, donc de 59, qui, elle, est une première main entièrement d'origine, jamais bricolée, enfin vraiment un produit d'exception. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est les seuls à proposer ça sur le salon et puis maintenant sur un peu le territoire, d'avoir des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Cette voiture donc a été restaurée de fond en comble, hein, elle était quand même en état un peu compliqué. Donc on a refait, on va dire, 70% de la carrosserie. Après, tout ce qui est peinture, etc. Là, on a une sellerie complète qui nous reste à faire puisqu'elle est en cours de restauration. On l'a fait voir comme telle. Et puis, toute la mécanique est prête. Donc, je pense que dans un mois et demi, ce sera parti, quoi. Elle pourra reprendre la route tranquillement. La Préa, celle de 1954, est vouée à être restaurée. Néanmoins, il y a les jantes d'origine qu'on peut voir ici. En fait, la voiture est entièrement d'origine. Là, elle a tous ses accessoires, etc. On a juste, on va dire, dépoli, nettoyé la carrosserie pour faire voir un peu l'état de la caisse. Mais ces roues, effectivement, vont être toutes de 1954. Donc, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle ça matching dans un langage courant. C'est donc vraiment les roues d'origine et les quatre sont issues du même lot. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très courant d'avoir les roues comme ça qui sont issues de la même date que la création de la voiture. Et celle de 1958, c'est une première main, une exception, c'est vraiment rare ? Il est très compliqué de trouver des voitures en bon état comme ça à restaurer et surtout première main. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment les factures depuis le début de l'achat. On a même les factures des pneus, c'est dire dans la vie de la voiture. Donc, on s'est retrouvé avec un dossier très important. Un monsieur qui tenait à jour un petit carnet avec ses sorties, etc. Donc, c'est assez intéressant. Ça, c'est carrément aujourd'hui introuvable, franchement. Et c'est pour ça que cette voiture, si on la vend, et on la vendra certainement, mais on veut la vendre à un puriste qui la laisse comme telle, qui ne la restaure pas ou vraiment à minima, parce que ce serait vraiment un crime de restaurer une voiture pour la rendre en état neuf. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous en prie, merci.